couleurs, là où on a les bonnes couleurs, parfait. Et donc on n'est plus en loser final, mais en winner final. Non, on est en grande finale. Oui, en grande finale, pardon. Grande finale. Donc, avec Neo qui vient du loser. Alors, rouge, loser. Et voilà. Et c'est parti sur Small Battlefield. Laisse Palu un match-up tellement à l'avantage de Palu que c'est honteux presque. Malgré ça, Yann West qui se défend très très bien dans le match-up. À force de jouer bah, contre Noé et moi à peu près 3 fois par semaine. C'est ça. Ah, c'est sûr que quand on attendait à Palu tout le temps. On a de la chance dans la région, on en a pas tant que ça. Mais donc on a une bonne diversité de personnages. Le grab là qui était un peu bullshit. Allez, le père. Ça remonte les pourcents. Histoire de régaliser un petit peu tout ça. Ouh, le piqué fire. Ça gâchera pas. C'était pas loin. Donne trop. Bakker qui ne connecte pas contre Ness. Ness c'est flotty. Ça peut s'en sortir assez bien. Oh. Et la backstraw, tout simplement. Et ouais, et Noé qui overcommit un petit peu parce qu'il était encore dans l'acte de l'explosive flame. Et je pense c'est pas ça. Que Yano il peut se faire avoir par l'explosive flame, tu vois. À ce pourcent là, il était. Enfin, à ce niveau là, il était beaucoup trop près du stage. Hein. Il réussit à le punir du coup en lui prenant cette stock. Et Yann West qui prend juste Neo, qui le balance par-dessus son épaule. Oh, il sait pas trop quoi en foutre. C'est la clarche à la ça monte les pourcents. In fire. Ça attaque dans tous les sens, hein. Back throw qui ne va pas encore prendre cette stock et voilà, oh. Et là il soigne avec ça. Ça régène un petit peu. Et là, depuis le ledge, les combos de Ness qu'on connaît si bien. Au piqué fire, into des drag down, into des fer. Oh, ouh, qui va connecter. Et le simple F-tilt. Ouais, il va aller droit dans ce F-tilt. Tiens, mon bâton, tu l'as vu? Exact. Allez, le back air. Ça joue tranquille, hein. Noé qui veut pas commit là, il joue safe avec ses projectiles, il laisse Yann approcher. Par contre ce drag down de nouveau qui avait tellement de pourcents. Tu peux drag down avec bientôt tous les, les multi de Ness. Bah ouais c'est clair. Mais en même temps, oh, c'est tendu là ce qui se passe. Donne trop Bakker qui n'a toujours pas connecté, par contre il n'y a plus de saut, là il n'y a plus de saut. Comment est-ce qu'il fait Yann? Comment est-ce qu'il fait Yann? Il va y avoir dodge là-dedans. Il va réussir à revenir cette fois, mais il va se faire regrab. Ça tuera toujours pas. C'est marrant qu'il cherche pas à regen sa vie là. Oh là 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 là. Ouais, mais il est un peu focus sur autre chose là. Oh le piqué fire. Oh là 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 le backer. Et la classique aussi, t'es dans le piqué fire, tu veux t'en sortir, tu mâches ton bouton de saut. Et backer. Et du coup, Yann qui est toujours on point sur ses rides là. Et seulement 9% d'infligé, c'est peu. Ouais. Oh, ce grab de nouveau qui va connecter. Ça le back air, c'était limite. Noé qui dit bien. Allez, le nerf. Nerf back air. Le spacing de Noé il était parfait sur ces deux coups là. Le bouclier qui fond du côté de Yanoise, attention. Ouais, faut qu'il fasse gaffe, hein, faut qu'il fasse gaffe. Et il le sait, il joue un peu tranquille, il roll, il va jouer sur le bord du terrain. Et ça va par le nerf par contre. Ça y est, on a rechargé un peu le bouclier. Il a un petit peu chill, mais là il est de nouveau très 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 bas. Faut qu'il fasse attention. Il va jouer avec ses backers. Il catch l'atterrissage. Ouais, je pense là qu'il. Il est mené à mal, hein, Yann Watts, mais n'empêche qu'en attendant, il a quand même le lead des pourcents. Hein. En fait, il garde. Oh, il a dû absorber là quand même. Monsieur, la hitbox qui est sortie. Monsieur. Ouh, il est pas là, passé. Il pas connect. Oh, le grab, ça va pas encore tué. Il va faire un fort trop pour pas stealer sa back throw justement. Ouais, il va gagner droit dans cette up smash. Et ça c'est va bon, ça tue. Cette game 1. Et 1-0. 1-0, Yann Watts. Ouais. Voir tout le temps. Game 2, du coup. Game 2 et ça joue Ridley. Ouais, je suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Neo qui réunit à nouveau ses chakras, qui tente à nouveau de faire appel au rituel chamanique comme Binyuf. Il a vu que ça a fonctionné.
Mais y a-t-il réellement un chaman protecteur des joueurs de Palu? C'est pas lui qui protège les joueurs de Palu. Pour le petit dragon là c'était stylé. Malheureusement il n'y a pas pu follow up dessus mais... Et ce petit up tilt, dommage le père qui a pas connecté. Oh, ah, c'est mauvais sens. Une punish instantanée là de Yann. Oh, il tente de tech chase, malheureusement ce jeu ne marche pas correctement et la tech chase ne marche pas non plus. Et ça remonte les pourcents, hein. On est revenu à égalité, à 0,5% près. Et on voit Noé en fait, c'est marrant parce que il a différentes phases et je sais pas pourquoi mais il y a des moments où son spacing il est parfait, tu vois, vraiment genre. Il faisait des petits sauts back comme ça, il arrive à bien catcher, comme il fait maintenant là, tu vois. Et à d'autres moments, il bourre. Des fois, il est dedans, puis bah, je sais pas, il s'arrête. Après, tu peux pas être tout le temps. Ça demande beaucoup de concentration, n'empêche, hein, de penser à tout. Ah non, bien sûr, mais je veux dire, c'est marrant qu'il arrive à bien à le faire à des moments, et à d'autres moments, il galère un peu. Ah, oh, ça va. Ah, il a tenté, il a pas ri de le saut cette fois. Allez, ça remonte. Oh là là, c'est... Hey, franchement, cet air dodge directionnel. C'est un troisième saut. C'est incroyable. Le sour spot de la dash attack qui ne va pas tuer Yann qui joue. Ah, de nouveau, tu vois, là il rit sur la plateforme et il veut choper le double saut. Ah, sauf que. Quoi ? Oh, ça. Quoi ? D'accord, bon. D'accord. Ah bon. Et en fin de compte, il aura absorbé que 2% de dégâts hein, sur ouais, cette boule de feu. C'était pas incroyable. Et le backer qui tuera pas, j'aurais cru. Par contre, il peut choper sur la Reiko là. Ouais, dommage. Bon. En fait, quand Palu revient avec sa Reiko sur le à l'horizontale, t'as moins de frames pour le que d'accord. 5. T'as encore moins. En fait, plus c'était au-dessus du ledge, c'est quasiment instantané, t'as que 2 frames de nouveau. Si t'es bien par en dessous, t'as un petit peu ce délai justement où tu peux la choper. Ok. Et du coup, Noé qui anticipe bien justement ça, qui voit l'up smash en train d'être chargé et qui OP genre droit à l'horizontale pour pas se faire avoir. Et c'est technique aussi du côté de Yann parce que pour. Oh là là, non mais. Nerfez-moi ça! Honteux! Nerfez-moi ça! Enlevez-lui son saut! Mais ouais, mais du coup, du côté de Yann, il est obligé de lâcher son smash pile au moment où le palu réapparaît. Ouais. Sinon, ça va juste faire un hit et la refoutre en bas. Donc en soi, c'est une situation de guard qui a l'air bête comme ça, mais c'est super technique pour les deux. Et du coup, bah, une stock totale d'avance hein, pour Neo. Ouais, on a vu, il a fait une bonne ride là justement. Il a vu qu'après le down throw, il y avait beaucoup d'air dodge qui partait. Et il attend, il charge son meilleur down smash. Et ça catch bien évidemment Yann qui ratterrit. Oh, Yann Moss qui bouffe ses easy de lumière pour. Le problème c'est qu'il a un petit déficit de stock déjà. Oh le fer, dommage qu'il passe pas celui-là, c'était bien attendu justement, il avait bien ri l'option. Le simple tilt, la box roll. Dans ce grab. Yann qui aime bien justement roll au ledge, shield, et en fait si tu normal gate up, tu vas passer devant lui. Pour je ne sais quelle raison, parce que le jeu est mal codé, tu vois. Du coup tu peux grab. Et là s'il prend skill maintenant, voilà c'est dur. Mais. Il arrive à se soigner et s'il prend le kill assez vite là, c'est ça. Mal dans ce match-là. À 80% là d'un seul coup quand même, le nerf. Ouais mais il peut pas encore tuer à 80 tu vois. Ouais mais il faut tuer là quand même. Et s'il trouve ce kill, Yann, il va être super bien. Enfin super bien. Super bien, bon. Ouais, il sera pas si mal quoi. Il serait mieux à la place de Neo quand même. Hein. Ouais c'est clair. Bonne roll, ça va, il reprend le centre du terrain. Et là par contre il se fait gratter. Mine de rien, 103% déjà, attention. Oh non, il était du mauvais côté, c'est dommage, la dash attack dans le shield, là ça était censé être. Et là ça tue. Ouais. Et là ça tue, et là c'est notre heure de fin qui est en jeu. Ah, il sert à... Oh, il est pas mort. Attention, le prochain il va tuer. J'aurais pensé que ça tuait ça. Oh. Ah, celui-là il tue. Oh, là, là, là. Celui-là il tue, c'est 1-1. Mais là il a eu peur en fait, Yann, parce qu'il pensait qu'il allait re-explosive flame, du coup il a double sauté, et puis quand t'es en haut de ton saut là, le père qui vient de chatouiller les pattes. C'est clair que ça tue. Et merci Lelou Paris pour ton follow, j'ai pas vu. Un partout du coup. On prie pour un non-reset. On prie pour un non-reset. Et donc, de ce que j'ai entendu, ça part sur Small DF. Je crois bien, ouais. De nouveau, les blazones un peu plus courtes que sur un PS2, ce qui fait que les deux tuent plus vite. Ah non, Smashville. Et Palu, honnêtement, on peut dire beaucoup de choses sur le perso, mais elle peut galérer à tuer quand même dans certaines situations. Ouais, mais bon. Donc bon. Après, là, elle reste des outils, tu vois. Faut bien qu'elle ait une petite faiblesse.
Du coup, les petits terrains type Smashville, type Small Battlefield, tout ça, c'est bon plan, ça. Après, par ça contre, fait aussi les affaires de Yann Watts. Hein. Ah, ça, la backthrow sur Smashville, maintenant, t'es mort. Hein. C'est ça, une petite backthrow à 10%, t'es mort. Du coup, bon, ça arrange les deux, je pense. Ça leur va très bien d'être Burst Sister, pour les deux côtés. Du coup, Piqué Fire. Allez, le backer, on commence le match à 50% normal. Et le zizi de lumière, et la backer, il n'y a plus rien là pour revenir. Hein. C'est un peck. Ouh. Oh là 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 là. Ça va, Yann qui arrive à revenir, mais le problème c'est qu'il est à 115 quoi. Et je me demande limite si ça. Son des joueurs direction. Enfin, son. Pardon. Comment on appelle ça? Son esquive direction, voilà, son air dodge directionnel vers le haut ne fait pas limite sauter plus haut que son saut. Parce que là, c'est quand même. Ça rit de cette roll, mais des enfers. Hein. Des enfers. Genre, il l'a vu partir et s'est dit, ah, il va avoir le goût. Il a overshoot son grab, mais de 10 mètres. Et ça a marché. Et donc, seulement 52% d'infligé. Comme on commence les games à 52, c'est comme si c'était 0. Ah, NES, 43 cette fois. NES, il est un peu trop flotti pour. Vraiment combo, donc faut être vraiment très très précis sur le. Oh là 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 là, et carrément, voilà! Ça envoie carrément dans ce sens là le smash là? Ça c'est un peu triché quand même. Ah, ça c'est un peu triché. C'est un peu triché. De toute façon, là on a deux persos de la triche. Hein. Et donc, et ben. Toujours 3 stocks. Hein. Bah ouais. Mais attention, hein, Yann West qui nous a fait des. Oh là 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 là! Des dingueries! Des dingueries de la Suisse comme lui sait les faire! Ça, c'était l'Hélène Segarra. Droit plongé comme ça. Allez, le petit tilt, une petite douille, et puis on a réégalisé. Hein. Ouais, mais bon, douille pas lu, pas de chance. Hein. C'est NTP. Ah là 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 là. C'est une assez bonne Rico quand même. Allez, 84% déjà, ça va être compliqué. Non, ça va, il soigne. On absorbe. Et il s'est soigné 20%. Oh là 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 là. Donne trop au backer. Eh bah non. Il a redodge encore dans ce. En fin de compte, il fait plus de backer. Tout le monde sait qu'il va faire des backers, donc il en fait plus, ça sert à rien. Ouais, ouais, bah c'est ça. Il read. Et donc 2-1. Il read et ça marche. Et on est à une game du reset. Sniff. Ça serait marrant qu'il fasse une game 5, une tour à reset, non? Oh putain. Game 5, game 5. Ah, ça c'est sûr qu'on se marrerait. Hein. Ah bah ouais, ouais. On en a marre de Ness. On prend Wolfy. Ah ouais. Et ouais ouais, Luffy. Très bien. On va faire des coups de blaster à 10% là. Ouais. Tout pile. Tu touches 10 fois, tu peux tuer. Hein. Ouais, voilà, c'est... on a pris nos 50% de départ. Il se fait un peu, ouais, il se fait un peu bourré là. En fait, il faut te dire mentalement, il faut que je sois prêt à prendre 50% et après, ça va, faut que je rattrape quoi. Mais... Ouais, mais là il rattrape pas des masses, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est dash attack un peu bourré. Et Don Trobacar qui est trou jusqu'à très très tard pour survivre. Du coup, c'est une kill option notable dans le matchup. Oh, bon, attention. Qui va lui permettre de revenir. Ça joue au blaster justement. Pas prendre trop de risques. Oh, oh là là. Yann qui se fait un peu avoir hein, sur ces trucs. Le père. Ça tente encore. Le blaster à 16 là. Ça le poursuit au fer, attention le prochain il va tuer. DI correct. Et là. Donne trop. Qu'est-ce qu'il fait cette fois? Et là, et là. Ouais, c'est possible, il y va. Il va le faire et ça tue. On dirait qu'il a toujours la bonne option quand même sur bah cette ouais, Don't Throw. Hein. C'est fou. Il était pas tellement dessus là, monsieur. Donc monsieur remboursé. Allez, le nerf ah, qui catch pas, on attend les 50%. Ah, non, il va se faire suivre là. Non, ça va, il va back trop. Il tente. Oh là, la et là, derrière. Là, ça aurait tué avec Ness. Ouais, ça aurait tué avec Ness, mais bon, Wolf, c'est un peu plus tard quand même, faut être à bien à 140. Oh là, la bonne lecture. Le petit bait là, la petite roll en mode je vais te refaire la même. Et finalement, il court pour éviter justement le Noé qui roll pour se dire j'évite du coup le setup. Le smash en couverture qui était présent. C'est bien pensé. Et ça me rappelle ce que je prends tous les mercredis soirs à la Haute Ligue Genevoise.
Elle se remplit super vite d'ailleurs cette weekly, hein, ouais. Chaque fois qu'elle sort. J'ai pas pu revenir encore. 15 minutes, il y a 50, enfin 20 inscrits déjà. C'est ça. On poste le lien et faut se battre à peu près les places. Combien de places déjà? 32. 32. Ouais, c'est un petit local, du coup c'est un peu compliqué de le placer. Ouais, je suis déjà venu deux fois, mais... Ouais, bah tu vois bien du coup. Idéalement, on aurait peut-être une plus grande salle bientôt pour faire ça un peu en... à la bien. Le PA sur l'atterrissage. 137%, ça tue bien évidemment. Ça tente de faire des rivières dans ce match, je suis pas certain que la hitbox de l'arrière soit plus grosse que celle de l'avant. Je ne sais pas. Peut-être qu'il sait quelque chose que nous ne savons pas. Et c'est plus compliqué de le mettre en reverse forcément niveau timing. Ouais bah ouais. Vas-y. C'est moins intuitif disons. Ah du pas passé ce grab dis donc. Oh là là là. Jab jab up smash. Et ça se passe mieux qu'avec Ness hein, mine de rien. Bah ouais, bah le matchup est un peu meilleur je pense. Et en soi son Wolf il dit que c'est de la merde mais à force de le jouer commence à faire 2-3 trucs quand même là. Et on voit bien là le donc l'effet de répéter tout le temps le même coup qui font de moins en moins de dégâts. Au bout de 3 blasters, il est qu'à 26% au lieu de 30. Ouais bah ouais. Ouh, ce backer. Wouhouhou, c'était pas loin. Et là, ça aurait tué, bien évidemment. Attention. Parce que Wolf s'est craqué aussi. Et donc là, on est complètement even. Ah, oh, il soit dodge dans ce petit. Attention. Oh là, voilà, c'était un peu présomptueux ça, monsieur. Ouh, le fer était spécé avec les pieds là. Attention. Oh là là là, ça touche. S'il avait reverse, c'était gagné. Nouveau. Oh, et ça, ça tue. Et c'est un reset. Merci les gars. On est content. Ouais. Ah là 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 là. Et ça reset. On est reparti pour un on deuxième set. On est reparti. Est-ce qu'il va garder Wolf ou est-ce qu'il va garder Ness? Je pense qu'il va rester sur Wolf. Hein. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Et du coup, on est grande finale reset. Hein. Difficile à dire. Et comme d'hab, c'est beaucoup trop long. Et oui, il a changé le blouson par contre. Hein. C'est vrai. Il a changé peut-être pour se camoufler avec le fond. Un peu clair comme ça, couleur d'automne. Ouais. Ils se font dans les arbres. Ah non, mais il y a des grosses techniques. Hein. Bon. Est-ce que Yann va s'adapter du coup avec son Wolf? On recommence. La solution. On reprend les mêmes, on recommence. 0-0. Oh 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 oh, la Ritter Dodge! Oh là 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 là! Oh, oh mais quelle phase! Quelle phase! J'ai vu Manu faire un bond de 2,5 mètres dans la venue. C'était stylé quand même. Y'a pas à dire, c'était clean. Allez, ça monte hein, les pourcents pendant ce temps, 50% déjà. Il aurait pas pu faire ça la game d'avant. Et je tiens à call out tous les Suisses allemands là qui jouent Wolf, qui après 2 ans de jeu savent toujours pas faire en faire backer correctement. Alors que Yann, alors que c'est même pas son main, il arrive à le faire en 2 semaines. Donc voilà. Tu devrais le redire en allemand maintenant. Niquez-vous les Suisses allemands. So, ich muss. Ach ja! Schweizerdeutsch kann nicht faire zu backer. Hartung, bicyclette, pompe à vélo. Haber, Yann Watts, Zerzer Schoen, Ice Fair Bakar. Compris. Il y a un peu. Je sais pas s'il a raté sa vieille ou s'il. C'était pas long. Ou si c'était vraiment un truc à tuer, mais là le nerf qui va lui finir justement. Ouah, wow, ça tente de choper encore. Hein. Wow, ça bourre des smash. Oh là 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 là. Il joue avec le stick jaune. Hein. Ouais. Il est arrêté par le titre, la simple dash attack, il va venir tuer, le pied en avant. Petit coup de pied dans ta tête là. Tu pars droit dans la blast zone. Par contre, la douille, ouais ça va, il avait vraiment intérêt à le faire sur cette B parce que au moins en faisant ça, il est sûr de pas mourir, tu vois. Peut-être qu'il va prendre des pourcents mais il est sûr de pas mourir. Parce que s'il va à l'eau et puis qu'il se prend un der, bonne chance hein. Et c'est fini. Remonte, allez reviens. Ouais c'est vraiment ça. Ah ouais avec ton petit EP qui fait 3,50 cm là. Bon, Yann qui est bien, Yann qui temporise encore sa stock là. Hop là. Yann qui prend pas mal de pourcents là. Pas hein. Trop. Allez, la simple F-throw.
Il tente tout le temps son setup, hein. Il se met son setup back throw là. Ouh, le smash qui est pas passé. Oh là 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 là. Mauvais timing. C'est lui met tellement de pourcent du coup. Et là il y a niveau tué, il y a niveau tué, il sait, il est à 100 et quelques, il va chercher 112, son. 112, il y a tout qui va tuer à peu près. Le père était pas loin, le père était pas loin. Oh là là, la toute fin de la hitbox. Ça c'est rageant parce que le tilt il était sur la fin vraiment, c'était les dernières frames quoi. Éteindre, non. Ouais, tu peux pas. On peut pas, très bien. Tu attends. Comment il va trouver skill, comment il trouve skill, est-ce qu'il va le trouver déjà ou est-ce qu'il va le trouver, ouais. Le nerf. C'est... Oh, oh là 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 là. Et donc 1-0. Bon. Et j'avais pas changé le personnage. Ouais. Bon. Game 2 du reset. Game 6 de cette grande finale. Bon, le Wolf qui est on point là, j'ai l'impression. Hein. Alors. Il y a une petite game pour se chauffer, maintenant il est bien là. C'est ça. Alors que game 47. Ouais. C'est un peu long ce final là. Alors on a du spectacle, c'est bien, mais. Moi je fatigue là. Wolf Palu, on est reparti sur PS2. Sur PS2, bien sûr, à la maison. Et là. Allez hop. Et les coups de blaster, les blasters, les blasters. D'auto-reticle. Les lasers contre les lasers. Oh, et la phase de nouveau. Oh, oh. Et n'importe quoi. Les smash bourrés comme ça là, c'est un délire. Pour l'instant, ça se recoupe pour Co. Allez, Upper qui passe sur la toute fin de la hitbox. Ouais. Oh, il spot dodge dans ses petites à chaque fois. Oh la gars, c'est compliqué de remonter. Hein. Ah, quand t'es Wolf, ouais. Un smash qui passe pas. Un peu tôt. Ouais, il tente des grabs là, mais le grab de Wolf c'est pas le meilleur truc du monde. Donne trop. Blaster. Il a tenté le deuxième qui va passer non plus. Attention. Il faut qu'il revienne sur le terrain. Ça va, il est au centre. Il est pas prêt de mourir. Pour l'instant, Neo qui joue son jeu tranquillement. Bon DI. Yann qui arrive à revenir. Je dis ça, mais il se prend ce. Il se donne. Oh, oh là là là. La ride. La belle ride. Il est dans sa tête. Ah, oh, par contre, la DI est un peu mauvaise sur le setup là. Et 0-0, on prend les mêmes, on recommence. Franchement, ce backer il était sorti en mode genre, ah bah il faut que je come back là, vas-y, tu vas sauter. Je te mets ce backer et tu meurs à 90. Regarde Mosmel, c'est du 43. Exactement. Ouais, c'est du 43 en acier en même. C'est du 43 en titane. Il y a des griffes, il y a de l'acier et tout ce qu'il faut là. C'est pas plaisant de le mettre dans la tête dessus. Et le spacing du backer qui était au poil là. Ah, ce nerf qui va pas connect. Ah, DI. Ok, il a bien DI. Il aurait pu mourir de ça. Hein. C'était short. Oh, le dunk smash qui est pas passé. Le up smash, lui, par contre, il va passer. Qui tuera pas. Smash into smash into smash. Into contre. Bon, Thomas. Allez, là. Left down throw. Son kill, il faut son kill. Ah, c'est compliqué là ce qui se passe, hein. 119%, dommage. La dash attack qui ne va toujours pas tuer, par contre, en désavantage là, il faut qu'il atterrisse. La prochaine suffira. Et ça, ça marche contre les autres, mais pas contre Yann, j'ai l'impression. Le grab de Palu, ouais, qui. On connaît un grab de Palu. On connaît. Et pour l'instant, ça tue. Bah ouais. Et là, il se fait grab. Il se fait nerf, pardon. Et il a pas de saut. Ça va, il récupère son saut, mais par contre. Les EPR, les EPR. 46%. Il arrive à atterrir. Mais à quel prix? Ok, ça le nerf en reverse. Ah, dommage. Là, il avait une situation de tech. Il rate son backer. Je pense que c'était un backer qu'il voulait faire. Il le fast wall un peu trop. Aïe 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 aïe. Le grab de Wolf, ouais. C'est pas ça. Et là, ça pique des smash. On sent que c'est la panique un petit peu du côté Yann. Qui veut trouver ce kill, mais qui n'y arrive pas. Et comment tu trouves ce kill? Ouais, voilà, tu vois, il bourre des trucs, mais. Est-ce que vraiment ça va toucher contre Noé qui est bien patient? En tout cas, on a déjà 140% et ça pue, hein, ça pue. 1-1. Ouais. 1-1 et c'est pas prêt d'être fini. La game 5. La game 5. Enfin, je vais te laisser un peu le commentaire, je vais les aider à ranger. Ouais, ça marche. Bon. Je me retrouve tout seul.
ça va le faire normalement. Je vais bouger de chaise déjà pour être mieux posé. Ok, on est pas mal. Et on part du coup sur cette game 3, sur Stadium toujours. Et ça se cherche un peu. Ah bah pour ça, bien évidemment, on cherche le nerf du côté de Palu. On cherche des petits grabs, des petits fers du côté de Wolf. Mais le problème c'est que son désavantage il est moyen, Ayan. Il se fait trop avoir. Il se fait trop avoir par la hitbox de Palu. Et ça lui coûte cher. Ok. Il y en a kill pour cent. Faut qu'il fasse attention. Un Bakar ça tue. Mais il est patient. Il pose son jeu un peu tranquille là. Ouais, par contre, de nouveau. À chaque fois qu'il atterrit sur cette plateforme, le souci qu'il a c'est que. Il atterrit et après il roll. Et pendant sa roll en fait, le père il va catch les frames de vulnérabilité à la fin. Et il meurt à chaque fois de ça. Faut qu'il fasse attention en fait, c'est à ses atterrissages sur toutes ces plateformes. C'est-à-dire qu'il connecte. Oh là là là, ça va être stylé. Malheureusement, c'est pas passé. Petit trade là. Je sais pas ce que veut dire ce trade. Ça rit de nouveau la roll. Up smash instantané. Une phase plutôt stylée là. Hein. 70% pris là-dessus. Oh le backer qui était pas loin. Oh celui-là. Non malheureusement il n'a pas le temps de turnaround, je pensais qu'il le voulait. Je pense qu'il le voulait mais qu'il n'a pas réussi. Et là dash attack contre dash attack, bien sûr le bouclier de Palu qui va lui permettre de gagner cet échange. Ok, dash attack. Ah mais c'est très de nouveau là qui n'arrange pas du tout Yann Watts. Yann qui cherche son kill, Yann qui cherche son kill, ce forward tilt qui ne va pas suffire de nouveau. On est pas loin. Ah ouais, celui-là qui va toucher. Celui-là qui va toucher et qui va lui permettre de prendre un léger lead dans ce match. Petite phase à bas pourcent de nouveau. Ah, pas de tech chase suite à. Oh c'est dommage, il avait la ride. Il avait la ride, mais il se fait bourrer avec ce backer. Oh, le reverse blaster, ça c'est probablement. Oh, de nouveau, il tente le. Là, je pense qu'il aurait dû continuer à mettre des fers. Parce que à 47, le backer, clairement, on peut tuer. Par contre, il aurait pu mettre un deuxième fer pour gratter un peu les pourcents. Parce que là, le souci, c'est que. Ça lui coûte cher. Noé qui revient dans ce match. Noé qui récupère ses pourcents, Noé qui punit les landings de Yann à chaque fois. Qui se fait grab. Oh non. Mais non. Mais non. Il se fait catch par tous les atterrissages. Tous ses atterrissages, il se fait avoir. Tous les atterrissages il se fait avoir, il faut qu'il fasse attention à comment il land, comment il gère son désavantage parce que les air dodge à répétition comme ça lui coûte beaucoup trop cher. C'est déjà le troisième smash qu'on voit dans ces deux sets qui se prend. Bon. On repart sur PS2. Potentiellement la dernière game de ce grand final. Et là, c'est la sauce. C'est la sauce. Ça va, il arrive à s'en sortir, mais putain, il a déjà pris 105%. Et ça l'arrange pas du tout. Il a déjà trop de rage pour que le dash attack connecte. Ça va, il arrive à s'en sortir de cette situation, mais de nouveau. Le problème c'est que là, son désavantage il fait quoi? Et ouais, il s'est attrapé sur son landing encore.
l'optique qu'il a en tier et qui va prendre cette stock. Et là, au niveau du mental, connaissant Yann, il doit pas être bien. Il doit se dire putain, ce jeu c'est de la merde. J'étais pas loin. Et je suis pas récompensé pour ce que je fais. Et je le comprends. Et je le comprends. Noé pour l'instant, qui faisait bonne phase. Qui cherche son air justement. Il va peut-être l'avoir non, avec le follow-up cette plateforme avec un bon fast fall sur son upper là. De nouveau, il arrive à gratter ses pourcents. Il punit l'arico de Yann. Noé qui est vraiment bien là. Noé qui est vraiment bien. Ça tente de riddle smash encore. Oh, de nouveau Yann dans ce désavantage, il fait n'importe quoi. Il va choper ce backer furtif un peu. Je vais lui prendre sa stock. Yann qui revient du coup. Yann qui est de nouveau dans ce match. Ça l'a peut-être remonté moralement. En se disant ok, il y a peut-être moyen du coup. Oh, il a peur qu'il va le récupérer depuis le côté là. Et c'est dur ça. Oh, ça tente l'impossible. Et ça lui coûte 25%. Il donne trop, dash attack. Très bien, ça tente de suivre au dead smash. Oh, le P qui connecte pas, très bien. Le jeu est cassé. Oh, et là, Noé qui a de grandes chances quand même dans cette grande finale de remporter ce match. Il est très bien, il a sa stock d'avance. Il va se faire avoir par contre par ce setup de nouveau. Le problème c'est que même si Yann Watts prend la stock, il est encore à 86%. Et ça peut lui coûter extrêmement cher. Il est obligé de faire des rides là. Non, ça tente. Edgeguard, ça ne va pas passer malheureusement mauvais timing. Ce fort tilt qui va lui permettre de prendre la stock. Et là, 100% de retard. Yann Watts à 10%, faut qu'il fasse attention. Faut qu'il fasse attention à ce qu'il fait. Mais il a tout à fait moyen de récupérer. Il rate, par contre, ça, c'est impardonnable à ce niveau-là du match de rater le intro dash attack. Parce que c'est des pourcents gratuits qu'il aurait pu avoir. Le backer de nouveau. Oh. Bon pari du nerf, ça permet de revenir. Mais là, il est à la ledge, et ça peut connecter le backer, ça peut faire mal. L'intro, dash attack qui ne connecte plus trop de rage déjà. Ça tente de read. Malheureusement, l'intro, qu'est-ce qu'il fait? Fire dodge cette fois, il va sauter. Il ne sait plus avoir. La dash attack, qui va l'envoyer. Ah, tout en haut, il n'est pas encore mort, il faut pas qu'il roll. Il a nouveau fait, il s'est pas fait punir cette fois. Le force match qui est pas loin de toucher, ça tente de zoner. Oh, la dash attack qui triche. Oh là 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 là. J'ai en BO3. Noé qui remporte donc cette. C'est quoi cette Roblox Arena. Après un reset.